Je veux aussi dire merci à Franco, Franco le mignon. Je veux te dire merci, mon frère. On ne s'est même jamais vu, on ne se connaît même pas. On ne se connaît même pas. Chaque jour qu'on dort sur la feuille, il y a de nouveaux dossiers. Salut mes projecteurs. Écoutons attentivement ce manager d'artiste. Écoutez ce qu'il va dire. Ok. Yes. Oui. Oui, frère. Oui. Oui. On rend grâce à Dieu. On est heureux, on est content ce matin. Quand tu te lèves un matin comme ça et on t'annonce la bonne nouvelle, il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Oui. Et cette nouvelle vient d'où? D'un expert digital. Un expert digital. Vraiment. Ah, vraiment. Mon frère, si tu étais ici au Cameroun, j'allais dire prends une bière là-bas. Prends une bière là-bas, bah, tu bois. Oui, c'est notre langage. Je suis au Cameroun pour féliciter quelqu'un, pour dire merci. On dit prends une bière, tu bois. Oui, l'expert digital Patrick Kenyen Kamga. Toi, où tu te trouves là-bas en France, mon frère, je viendrai te voir. Je viendrai te voir, Patrick Kenyen, pour le travail que tu as fait derrière ma page. Derrière la page de cet artiste dont moi je suis manager, oui. Je suis manager, moi. Je suis Nebdi le messager. Je suis le manager d'artistes. Une page dont je gère. J'ai eu autant de problèmes avec la page. J'ai rencontré ce monsieur sur des réseaux sociaux. Grâce à qui? Je veux aussi dire merci à Franco. Franco le mignon. Je veux te dire merci, mon frère. On ne s'est même jamais vu. On ne se connaît même pas. On ne se connaît même pas. Mais je te dis merci. Parce que c'est grâce à toi que j'ai fait confiance à Patrick Kenyen. Il est enfant, il vit en France. Il a pu trouver la solution à mon problème qu'aujourd'hui je suis un big manager plein. Oui, que je suis un big manager. J'ai eu à contacter des créateurs de contenu, des managers même, pour qu'ils puissent me venir. Yes. Oui. Oui, frère. Oui. Oui. On rend grâce à Dieu. On est heureux, on est content ce matin. Quand tu te lèves un matin comme ça et on t'annonce la bonne nouvelle, il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Oui. Et cette nouvelle vient d'où? D'un expert digital. Un expert digital. Vraiment. Ah, vraiment. Prendre une bière, ça veut dire que tu es sa personne. Merci frère pour le travail que tu as battu derrière cette page et qu'aujourd'hui ça me rend honneur. Aujourd'hui, je rends grâce parce que je me lève ce matin avec du sourire aux lèvres. J'étais stressé. J'ai eu autant de problèmes derrière cette page. Trop de problèmes. J'ai presque eu l'AVC. Je devrais être déjà même paralysé. Quand tu m'appelles, tu m'annonces la bonne nouvelle. La maladie est finie. Mais vrai, je vais vous raconter dans une vidéo qui va prendre un peu de temps, 10 à 15 minutes, pour vous dire ce que j'ai vécu derrière cette page. J'ai reçu autant d'ironie des confrères, des artistes, des managers, des managers qui partent même signaler la page parce qu'on voit comment l'artiste monte. On voit comment l'artiste monte. Et comme moi, on me voit petit, on préfère aller signaler la page pour que moi, je laisse tomber l'artiste. Les gars sont même allés derrière conseiller à mon artiste, à ma fille, dont je suis son manager, de me laisser tomber pour venir les voir. Allez continuer à signaler la part parce qu'on veut que je me décourage. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je vous dirai, laissez. Je vous reviens dans une vidéo de 10 à 15 minutes où je vais vous expliquer du début à la fin et comment j'ai pu rencontrer Patrick Kenyen qui puisse résoudre ce problème. Et avec des preuves à l'appui, j'ai des conversations depuis avec tous ces créateurs de contenu, avec tous ces managers qui ont refusé, qui m'ont snobé même. D'autres m'ont même pris de l'argent. Pris de l'argent, ils n'ont pas résolu, ils n'ont pas trouvé la solution à mon problème. Donc ils m'ont arnaqué, on peut dire. Mais aujourd'hui, grâce à toi, il le fait de façon gratuite. Il ne m'a même pas pris un 5 francs. Un 5 francs, il ne m'a pas pris. Donc aujourd'hui, je dis merci à cet homme. Je dis merci à cet homme parce qu'il suffit, très heureux. Ok. Vous l'avez compris, c'est un manager d'artiste. En fait, je ne le connais même pas. Je ne le connais pas. Et paraît-il que c'est grâce à moi qu'il a fait la connaissance de Monsieur Patrick Kenyen Kamga. Et je profite pour vous annoncer une nouvelle formation le 3 juin. Comment monétiser, comment créer les pages, les chaînes YouTube et les monétiser. Donc,
profiter de cette formation. Chaque jour, je fais la publicité de ce monsieur ici et je dis, voilà un homme qui est arrivé comme ça et qui est bien. Et j'ai dit que c'est le monsieur, le même monsieur qui m'a appris à faire tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Beaucoup n'ont pas cru. Voilà, j'ai pris cette vidéo aussi comme ça. Je suis tombé sur cette vidéo et j'ai dit, non, je vais exploiter cette vidéo pour faire comprendre à beaucoup de personnes que ce que je dis là n'est pas une blague. Donc, je ne connais pas ce manager d'artiste et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. Le monde du showbiz que vous voyez là, c'est un monde trop compliqué. Oui, tu es même là avec ton frère, tu es en train de mourir, il ne te dit pas de vérité, il ne te dit rien, il voit bien comment tu es en train de te noyer. J'ai passé presque 2 ans, 3 ans sans que ma page Facebook ne monétise jamais. Ça ne fait même pas 3 mois qu'on a découvert la technique de monétisation étant au pays. Donc, vous comprenez comment les gens sont méchants. Donc, je profite aussi pour dire à mes confrères Benguis, pardon, ce qu'on m'appelait villageois qui ne sait pas m'habiller là. Voilà les meilleurs Benguis qui arrivent avec des meilleurs habits comme ça, des bons habits pour dire Franco, bon, comme tu es villageois, on va t'habiller. Merci encore, je profite pour dire merci à monsieur Toko. Je ne dois pas l'intéresser de son nom, les Benguis n'aiment pas trop qu'on les affiche. Merci grand frère, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et les Benguis qui viennent au pays m'appellent, Franco, on veut te voir, franchement, viens. Vous me brûlez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, temps pour me dire merci, j'aime ce que tu fais là, ne me perdez plus le temps. Si vous arrivez au pays, pardon, envoie-moi le message. Il n'a plus le temps à perdre. Quand tu appelles là, mon frère te brûle 3 heures de temps, il dit qu'il aime ce que tu fais, il te donne pas dans les temps-ci. Pardon, c'est quoi? C'est la magie. Arrêtez ça. Tu n'as pas dans les temps-ci pour moi, mon frère. Pas pour dire que j'ai fait ou bien que je suis matérialiste, non. Mais si tu cherches à me rencontrer pour me donner mon land de carburant, il va venir passer toute une journée avec toi, une demi-journée avec toi, tu me dis que tu aimes ce que je fais. Et quand tu aimes ce que je fais, ça fait quoi sur moi après? Voilà. Donc, il voulait chuter en disant que le drone est finalement arrivé. Comme vous voyez là, les images là, les prises là, c'est le nouveau drone au studio Vision Pro. Je vous laisse cet espace pub. Bienvenue au studio photo vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderoles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photo pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook? Contactez Vision Pro pour les shootings photo. Vision Pro est situé à Yaoundé, au quartier Mousso, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contact 672 30 37 85 697 39 27 28. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.